Bonjour à toutes, cette semaine c'est moi et d'autres personnes qui savent cuisiner pour d'autres. Nous les jeudis et la nuit ça n'a pas tardé à tomber, donc nous savons cuisiner ce soir. Et là, ben nous ça fait un bon rougail andouille au feu de bois et comme entrée, nous ça fait un petit rillette de poulet. Bien fait, vite fait, d'un petit appareil. Vous allez voir comment les pratiques. Et après, nous ça fait un petit concombre à la crème. Ouais, concombre à la crème. Ah, un petit concombre à la crème fraîche. Ou sinon, nous peut faire aussi au fromage blanc. Bon, nous va faire avec la crème fraîche avec un petit peu de menthe. Enfin, un truc rapide. Un affaire, vous autres, la besoin fait. Par exemple, je sais pas, vous autres, y attendent 2-3 personnes chez vous autres. Vous autres, ils veulent faire un petit apéritif. Super. Vous autres, ils pensent à faire ça. Vous autres, va voir. Un petit instant, nous, ça préparer. Ben, d'abord, faut mis ça prend le pain. Parce que tout ça là, ils mangent aussi avec le pain. Bon, mis tag pas, mis ça prend le pain. Et bien sûr, mal à pas dire aux autres qui savent bien cuisiner avec moi. Ben, Nora, Aline, François Auré et aussi Jean-Claude nous ça met Ali au four et au moulin. Ok? Allez, nous attrape le pain. Quand m'y passe dans la cité Cafouine, la fenêtre l'a ouverte, voilà le jour l'a clairé. Quand on passe devant moi, ou des hanches ou comme ça là, bonjour, on est les fous, m'y connaît, puis que ça y fait. Tous les jours, quand m'y passe dans la cité Cafouine. Lance-moi les ordres, ici de feu. Oui. Donc là, on met le zandouille bouille, hein. Mm-hmm. C'est un gros zandouille ça. Pas vilain, Zando, il est frais en plus, mais ils viennent aller prendre la charcuterie là. Ah bon? Ouais. Que hein. Pas s'il est dans la couenne, s'il est trop gras, si... comment il ne me connaît pas. Mais et là, on va t'aller bouillir comment là? Mais là, ça est bouillé comme ça. Et après, m'y enlève à l'île, m'y coupe à l'île par morceaux, m'y a fait bouillir un petit peu. Ouais. Ben. Et quand il bouille, il faut lui décharmer ou bien il faut lui rester entier? Ah ben, m'y connaît pas. Moi, dans mon égard, il fait bouillir. Après, quand il coupe par morceaux là, hein. Il reste des morceaux entiers. Mais à moi, non, à chaque fois, m'y fait, il fane. Ah bon? Il faut faire carrément avant. Ah bon? Oui. Faut faire carrément. Oui, faut faire carrément. Avant, moi, le zandouille, il reste entier. Mm. Ben, parce que le pape, tu fais carrément, c'est non. Doux. Ouais, mm. Ouais. Ben, quand c'est mal bas, il cuit les zandouilles, là. Mm. Les zandouilles, il reste entier. Ah bon? Ben oui, parce que 3 jours avant, il ne mange pas. Bon. Enfin, ben, il ne mange pas la viande, quoi. Bon, on va dire, ça, c'est un zandouille cafrine, alors. Et bon, allez, ben. Zandouille cafrine, alors. Ouais. Hé, hey, il fait noir, André, là, le monde arrivé. Ah bon? Ben, André, il voit de monde arrivé. Ah ben oui, là, le monde arrivé. Pareil que moi, on l'entend des ordres là, non? Ben. Là, fait noir, André, non, on arrive. Ah ben, et en plus, elle lui allait automatique, ben, dès qu'il ben, passe. Il allume tout seul. Il allume tout seul. Hein, mais où elle a paquet dans la main? Ben. Hein. Il y a un calebasse aussi dans la main. Un calebasse. Un calebasse. Non, je ne prends pas de calebasse. Ah, il faut y appeler. Un soutireur. Comment ça va? Voilà, mais un soutireur pour. Un soutireur. Ça, c'est un fruit, il soutire. La paresse. Ah bon? Parce que mais les pas paresser moi. Mais non, elle a dit comme non. Ça, qu'on plante en fait, ça d'autre quoi là. Hein. On n'a plus envie, elle est heureuse de manger. Non, on n'a plus besoin de travail parce que on peut casser pour manger, pour faire cuire dans toute façon. Mais là, un gros pied là-bas. Et tous les jours, il lève le matin, ça travaille. Comment on peut expliquer une affaire comme ça? Mais il faut mettre caca-poule dessous. Ben, caca-cheval n'est pas bon là. Alors? François, pour ça l'amène pour nous là. Ça, c'est comme une affaire pour frotter le genou, hein. Parce que maintenant, on genou, tout le temps. Voilà, comme le genou, quand de temps en temps, il fait mal là. Mais frotte à lui, hein. Fait, enfin, c'est, pas, c'est pas sirop pour tout ça, non? Enfin, on peut essayer, allons essayer. D'abord, quoi, il fait passer. Si je pense à tout. Mais l'abus d'alcool. Dangereux. Hein, Aline? L'abus d'alcool est dangereux, hein. Bon, on va goûter, d'avoir quoi, ça y vaut. En tout cas, il ressemble à une bouteille. Pour frotter là. Mais ça m'a frotte l'estomac. Frotte l'estomac. Pardon. En fait, c'est un whisky. C'est un whisky, oui. Mais si bien, c'est pour un cadeau. Whisky hein. Japonais. Un ça whisky plaisir. Japonais. Et il paraît que les Japonais, les bons en alcool. Hein. Écoute, allons voir si c'est bon. On va aller voir. Hein, on va voir si c'est bon. Nous laissons juste que l'abus d'alcool est dangereux. Nous retiens, l'abus d'alcool est dangereux. Oui, hein. Non, ouais, il n'est pas fait pour petit marmaille, ni marmaille à 20 ans, ni ça de 30 ans. À boire à partir de 40 ans comme nous. Et surtout, il prend plus volant, enfin, fin de compte. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, on arrive là en vélo. Oui. Mais nous, les des sportifs, nous arrivons là en vélo. D'accord. Un sportif, mais c'est moi, nous cachette à nous. Pas nous,
Bon, ben nous, ça va, on continue. Alors, avec ça, il s'est fait une rillette de poulet. Hein? Alors, monsieur Daniel, la dernière fois, il a tué un poulet. Et il avait reste le blanc. Vous connaissez, les nappes, donc, je mouillais pas trop, trop le blanc de poulet dans le carré. Donc, du coup, m'a récupéré les blancs de poulet. Il me dit, ben, m'a fait une petite rillette avec pour ce soir. Comment ça fait ça? Là, il me fait bouillir, il met un petit peu de l'eau dans le marie. Il met un peu de sel, un peu de poivre, il me laisse aller bouillir cuit, quoi. Le blanc de poulet est cuit. Hein? Les faciles, les simples et les vite faits. Un peu de gros sel. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Là, avec un petit appareil très ingénieux, nous a préparé une concombre à la crème fraîche. À la crème fraîche? Oui. C'est un plat d'oreille, ça, non? Ben, métissage, varié un peu. Ah bon, alors? Mélange aux oreilles, le carré créole. Voilà. Ben, bon. Pour changer un peu. Pour changer? Pour changer un peu. Ouais. Oui, on fait une petite entrée avec ça. Et puis après, ben, pour rester dans notre traditionnel, hein, notre créole, ben, nous finis avec un bon rougail andouille. Donc, ce soir, c'est rougail andouille. Rillettes de poulet. Oui. Et un petit concombre à la crème. C'est un vrai métissage à ce moment? Ah ben, la Réunion, les métissages, c'est ça la Métissé. Réunion ah. Il y a un vrai métissage à la Réunion, donc il faut mélanger. Bon, ben allons mélanger alors. Et vous ne connaissez pas offert aux gars, les andouilles à table, et c'est pas où. Les andouilles les donnent plat. Ah bon alors, ok. C'est un garantie. En tout cas, cet appareil-là, il est trop valable. Il est pratique. Hein. Alors, ça, il vend à Madagascar ou bien à Mayotte. Parce que à Mayotte aussi, vous l'avez vu, il avait ça. Ça sort de Madagascar. Ça sort de Madagascar. Ouais. Ouais. Et le petit long, là, c'est ça ou pas? Non, ça l'est beaucoup. Le galet est bien dur et impeccable pour passe couteau. Pour passe couteau. Comme ça, pidon? Ben, dessous. Dessous pidon? Dessous pidon. Donc, il est pratique, tout le monde a un pidon, son cas. Même, tu demandes un pidon et tu demandes un couteau, tout pas. Hein. Ben, comme ça, tu gagnes un mariage aussi. Ouais, mais là, d'habitude, nous, le pilon, on parle tout en dedans. Là, on s'en dit, on parle des hier. Nous, nous servent des côtés. Servent des côtés. C'est le pilon est une véritable perle. Ça peut s'en faire. Les pépinages, les pépinages, ben, les pépinages. Tiens, pépin dedans. Donc c'est les pépinages. Ben sûrement. Ah oui, ils parlent ça comme ça. Hein? Ah ben, je ne connais pas si ils disent comme ça. Allez, une. Oui. François, les profs, les non? Ben, les profs, ils viennent inventer un mot, là. Ben, prof, petit maramai, mais attends, ma pose une petite question pour un prof de petit maramai, qu'on sait peut répondre. Hein? Vous voulez dire, moi, quand on enlève les pépins, c'est un épépinage d'avoir. Un épépinage. Mais qu'on enlève des gousses dans un jacques. Vous connaissez jacques? On enlève les gousses. C'est un dégoussage? Non, on appelle ça épioté. Ah oui, épioté, oui. Ben et c'est un mot français, ça? C'est un mot français, ça. Hein? Ou épiote le jacques pour enlève les gousses dedans? Ben d'avoir. Si Bonaï dit d'avoir les comme ça même. Bonaï dit. Vous nous gardez de mots créoles, hein? Ah, oui. À nous, comme on dit, on gousse dans le jacques, comme on nous dit, nous. Des gousses à lire. Ben oui, on lève le gousse, des gousses à lire. Ah ouais, allez. Tiens le gousse. Mettons en gousse, ou je sais pas. De toute façon, il dit un, allez, fais. Et normalement, il comprend parce que. Ben quand il dit, on dit, on veut un gousse jacques. Ben. Ben donc. On lève le gousse. Ouais, bon, ben là, c'est quelle opération t'en fais, là? L'ami. Comment on l'a dit? François, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, on est en train de plicher l'ail. Montre-nous comment on fait, va. Ben, il fait comme Miguel, mais seulement pour venir ça jusqu'au bout, nous tirer le petit pot dessus. Après, alors on a le petit pot dessus pour tirer. Mais il y en a une autre affaire, si il faut tirer, c'est le germe. Parce qu'il, enfin, il paraît que le germe n'est pas bon. Il paraît les difficile à digérer, si vous voulez. Ben, moi, ma fille mange un des germes. Ben oui, mais. Parce voilà, que, bah, enfin, vous connaissez, il y a des fois où arrive là, où les presser, à au créole là, où on est que souffé. Ben. Il trappe l'ail et pluche comme ça, il trappe, il met dans le pilon, et puis l'ail, il finit que ça. Voilà, moi, ça, je me fais mes crases à lien et couvre la lame couteau, comme ça là, pour qu'ils sortent plus vite. Mm-hmm. Hein?
Après, je coupe à côté et tout y sort. Donc, et ce soir, honneur aux hommes. Ce sont les hommes qui font des pistes d'ordi. Non, hein? Mais pour une fois, d'habitude, là, c'est nous-mêmes faire la cuisine. Mais seulement nous mettre madame devant pour faire joli. Là, nous a précisé. Alors, nous l'a dit comme ça qu'aujourd'hui, regarde, ils andouillent, ces autres, ils s'apprépare les épices. D'accord. Et tout Karine n'a rien que Rougaï Zandou, il nous prépare des épices. Et pourquoi il a choisi Rougaï Zandou? Parce qu'il ressemble à nous, quoi. Est-ce que nous allons à des andouilles, là? Ou bien tu l'avais peur de jouer avec les andouilles? Non, pas du tout. Mais regarde les autres têtes, là, ils ressemblent à des andouilles fumées. Ah bon? Des andouilles pas fumées. Non. Attends, me raconte un petit histoire. C'est un pas créole. Tu connais M. Sangara Diffé? Sangara Diffé, Benadilo Poutin. Benadilo Poutin, oui. Et M. Sangara Diffé, là, il fait un paquet d'émissions chez nous, il raconte des histoires et tout ça. Et cet après-midi, il m'a trouvé, il dit, t'en racontes, moi, une affaire. Il a dit, ouais, si un monde, un joueur endormi, où les jaloux, d'où il colle, si oui, tout ça, là. Il connaît une méthode, elle est radicale. Hein, et la méthode, là, hein, il utilise et les épluchures. L'ail. Ouais, ben, la paille l'ail, comme ça, qu'a fini épluché, là, là. Hein. Il a dit, ou prends tout ça. Hein, ou mettre dans un sachet. On mélange avec un petit peu de sel. Ah. Pas le l'ail, hein. Le bon, la peau l'ail. Oui, oui, là. Hein? On mélange avec un peu de sel. Après, on mélange bien, comme ça, tout petit machin. On trappe le sachet. Et on arrive à côté de lui. Et on passe 7 fois devant son figure, comme ça. Il faut après, le bouc, il laisse tranquille tout le temps. Mais déjà, il faut trouver le bouc, l'autorisation. On passe 7 fois le sachet. Ah, ça passe 1 fois, on fait une guerre. Vous connaissez M. Sangara, il dit ça, pas moi. Il faudra demander Sangara, il fait pénalty le bouton. Faut trouver lui. Si par exemple, si vous faites ça devant la télé, est-ce qu'elle est bon? Ah oui, à distance. Oui. Non, mais c'est un photo le book. Après, là, mais mettre le photo le book, c'est un rétroprojecteur. Il est devant le rétroprojecteur. Après, il me passe comme ça. Mais sinon, veille à un monde politique. Pas de vous, même pas. Pas donne le nom, hein. Ouais, non, donne pas le nom parce que. Parce qu'il nous aura ça trop de coups de dire. Ouais. Mais ou prend ou sachez l'ail. Ouais. Et puis ou tourne. La peau l'ail. Ça la peau l'ail. La peau l'ail. Avec un peu de sel dedans. Avec un peu de sel. Pour tourner devant lui comme ça. Voilà. Ben Mounard, mais sans de Mounard, ça, il fait ça. Ouais, on a comme l'impression. Il arrête pas fait autre politique. T'es là. C'est pas la politique. Il n'est pas prêt. Regarde tout ça là encore ici. Daniela. Non, mais pas d'accord. C'est pas la politique du tout. C'est la polaille. C'est pas la politique. La polaille. La polaille, nous pour causer. Les bons. Au travail. Alors, qu'on s'appile. Qu'on attend un coup de pilon. Pourquoi on attend de finir. Mais attend de finir avec le polaille. Après, on s'en plus. Ben, Pile toujours tomate alors. Attends pas. Non mais pile tomate entier. Non, mais si mi pile le tomate entier là, il risque d'avoir un pot tomate dans le coin pilon. Oui. Hein? Vous connaissez pas bon ça. Oui. Et mais non, bon. Vaut mieux couper le tomate à part. Bah, le tomate. Bah, voilà, dit, bon. La pot tomate dans le coin pilon, c'est ça même qui représente à nous, c'est notre résistance. Notre résistance. C'est la résistance de réunionnais. Mettez un peu de sel. Hey, ben, il faut mettre celle grosse. Il faut mettre toutes les affaires sur la table. Mais grosse, pas celle fin. Hein. Eh, on a vu comment il est, bon monsieur là. Bonne madame là, fait des affaires plus là. Il faut mettre tout. Il y a derrière, écoute-moi. Tout est sur la table. Allez. Non, mais si l'émission l'est ratée là, le bon acteur, le bon zot. C'est le bon monifilm, mais pas trop sûr. Ah, ben attends. Voilà. Allez. Allez, un peu de sel, il manque un morceau de gingembre. Il manque un peu de piment. Attends, bouge pas. Il n'y a rien qu'un couteau. Un morceau gingembre, un peu piment, alors, et ça gingembre. C'est pour le rougail zandouille. On va mettre un bout, mettre un petit bout. Mais sûrement, il faut tirer la peau, non? Ah, vaut mieux pour la ramasse. Famille à votre non, mais voilà. Ramasse pour faire ben, tout une droite TV. Alors là, on demande à nous d'être rapide. Bon, d'accord. Non, mais autres, d'accord. Les pas. Déjà là, n'allez même pas. Normalement, qu'on fait cuire un carré, toute une affaire, qu'on ait les calculer pour être là devant. Oh, non? Non. Bonnes accessoires, ça déconne là. En pleine action. Hein, où ça il est le bonnes accessoires ça. Il faut aller au dépôt, le mettre tout sur la table. Alors, nous c'est les vedettes. Et vous connaissez les vedettes, Nena Manève. Mais bien sûr. Nena, c'était de la lumière. Donc la prochaine fois, c'est de la caméra. Dans un Manève aussi. Ben. Alors, la question pour piler là. La dedans Nena l'ail, la piment, la gingembre et la sel. Ça, c'est pour quel carré? C'est pour le zandouille, ça. C'est un carré qui est à notre image, un carré de zandouille. Voilà. Eh bien, si, ça, il absolument. Non, mais que ça nous peut dire face à deux créatures qui sont en train de moquer à nous comme ça? Mais non. Allez, François, mais enfin, casse pas la tête. Dépêche, Aouda. Fais ça avec plaisir parce que tu allais me manger aussi avec.
plaisir. Ok. Pourquoi plaisir, t'es là? Mais, je ne sais pas s'il va venir, mais bon. La téléphonie libre, vous dites bien? Ça, des fois, il vient sans. Allez, ben... allez, Jean-Claude, là, il n'est pas bien fait, là. Non, il n'est pas bien fait, il faut qu'il pile encore. vous connaissez qu'un bon curry, là, avec les épices pilées dans le pilon, hein, les épices moudes, écrasées, coupées en morceaux, pas pareil, hein, parce que dans le pilon, là, hein, on écrase, là, toutes les saveurs, elles remontent. Ouais. Et toutes ces saveurs-là, après, ils retrouvent allez, dans le curry, dans le truc où ça fait comme ça. Donc, c'est pour ça que depuis longtemps, on a toujours écrasé les épices et non pas coupé les épices. Hein, l'ail, gingembre, piment, tout ça. Il vaut mieux écraser. D'accord. Ouais, parce que moi, il faut faire attention, il faut pas qu'il tombe dans les yeux, parce que si ça tombe dans les yeux, là, hein, il n'y a jamais là les yeux gonflés. Mm-hmm. Parce qu'il y en a les trois jours. Juste une dormir. Question. La puce soleil, c'est le soir. Et comment ça se transpire comme ça? Parce qu'il fait chaud. Ben non. Ouais, c'est l'éclairage. Vous l'avez vu, tout l'éclairage là maintenant là. Oh, là il est, Daniela, bon. Elle est fatiguée là d'habitude. C'est voilà. Les femmes qui pilent là pour une fois que c'est lui. Elle est fatiguée. Tous les soirs, il est à mi-d'or pour gagner, que tout le monde regarde la télé. Exactement. Hein? Ouais, là, parce que on connaît à la télé là, hein, chacun fait un petit bout. Mais après, là, hein, chacun y connaît le petit bout, mais il ne connaît pas toute lui. Après, il faut assembler tout ça. Et puis, pour exactement. Que le téléspectateur, quand il allume son télé, il voit. Et tout ça, c'est jusqu'à 10h, 11h tous les soirs. Hein. Non, bah, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ce soir, nous mettons un petit coup à l'honneur, notre vedette, Jean-Claude. Il fait la pause. Parce que c'est lui qui, d'habitude, qui filme. Et aujourd'hui, nous remercions lui pour sa télévision, ses émissions, puisque nous mettons en valeur. Ici la cuisine créole, mais surtout la culture créole. Mm-hmm. Et m'y crois que nous peut que féliciter à vous. Ben. Et nous disons surtout, n'oublie pas Canal Austral. Et parce qu'avec Canal Austral, n'oublie pas la culture créole. Et vous connaissez que Canal Austral numéro 3 à La Réunion. Alors, hein? Il faut alors dire. Faut passer au numéro 2. Faut passer au numéro 2. Et alors, m'y connais pas qui ça ici. Il faut que ça passe devant une Réunion ou bien Réunion 1er. Réunion 1er, vous l'avez les budgets, bonne année là. Ben, bien. À nous, 10 000 fois moins, nous la pointe. Alors, si justement. 10 000 fois moins, nous la pointe. Pour arranger ça, ouais. Moi, à mon avis, il y en a un tas de monde dans la politique, surtout. Ouais. Ils ont un petit bib tout le temps de autres mains. Et le petit bib là, ça, c'est dès qu'on a un baisement, une affaire comme ça, il trappe ça dans la main. Ah bon? Ben, comme ça. Alors, mon âne. On a un petit bib. Oui. On a un petit bib. Ah et bon? Mon petit bib là. Mon petit bib, ouais. Mon a... Et en plus, un poignet, il y en a deux. Ah bon? Moi, il ne marche pas à deux. Volume 1, volume 2. Voilà, volume 1, volume 2. Bon. Et ouais, là-dedans, là, on a tout le secret. Seulement, il ne me dira pas tout de suite parce qu'il me garde pour moi. Mais tout le secret, il est là-dedans. Ça, c'est pour faire réussir notre carrière ce soir. Ah bon? Ah bon? Il marche bien dans le carré, il marche un peu dans la politique aussi, il marche pas un peu tout à fait ça. Tout garanti. Tout garanti. Garanti. Mais ça, c'est, il n'y a pas de monsieur sans galadifé ça. Ça passe en galadifé, mais il doit bénir normalement. Bon, nous laisse, il était là. Hein. Laisse-la, laisse-la. C'est bon laisse-la. 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 Bon. Là où ça, il est là. Bon, allez. Ok. Tu as acheté tomate. Moi, t'en as acheté tomate là, on a vu comment il y a bien tomate là. Ouais. Tu te coupes bien. Ah oui, ben... Ici, repasse couteau des le kipilon, alors donc est normal. Hein. Ah, attends, bouge ça, hein, la vita, là. Hein. Ouais. Attends, bouge pas. Bouge pas, mais d'avoir un petit mât de panne à vous. Qu'on soit en train de faire la fanfare. Mais comme tu allais là, Jean-Claude l'a dit, il a dit qu'il faut amasser la paille là, pour mettre dans un sachet, pour passer là devant la figure de Moun. 7 fois, hein, Sangara l'a dit. 7 fois. 7 fois pour emmerder Ali. Pour Mayali. Donc nous amassons, nous mettons d'un sachet. Voilà pour Aaron Ali. Ben oui, laissez-le là. Alors, vous voulez voir comment moi je coupe tomate? Alors, là j'ai deux coupes tomates, mon fait, sur la concurrence. On fait les courses. C'est un carré et des bonhommes pour couper tomate. Il a bien faim. Il voit ça, un petit peu de la cuisine, ça. Ah oui. Napi. Ah. Bon, il pile à lieu. Il pile. Mais non, mais s'il pile, non, il faut demander le chef. Non, ouais. Non, il pile pas. Laisse pile pas. Il pile pas. Voilà. Ben voilà, ça c'est les épices, les prêts pour faire au gazon. Boule, tomate, oignons. Après, Nena, l'ail avec gingembre et piment écrasé avec un peu de sel. Et le petit fleur de gingembre là, vous faites quoi avec ça? C'est joli ça. C'est décoration. Ah, ça y est, décoration alors. Ouais. Il mange pas ça là. D'un premier temps, donc, on en a les épices avec les andouilles. Ouais. Qu'elle est encore frais. Hein. Oui, nous voilà. Ça met
attends, tu fais boire la balle. Après, il aura les épices dans le zandou cuit. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas la même affaire. Il s'allouque un petit coup le zandou, il est en train de cuire là-bas. Ah ben là, il faut m'y enlève là. Il faut m'y enlève le zandou, il m'y coupe à l'île par bout maintenant. Là, on l'a fait ici de feu, zandou. Elle n'est pas éventuée d'une meilleure là. Regarde, il trouve dans la grosse Saint-Gilles là. Il a Regarde, elle est en train de manger. Là, on l'a, il y a plus de hein. Oui, il coupe à l'île par morceau. Et quand il s'en fait, il y a fait bouillir, elle est en train de manger. Il est en train de là. Oui. Bon, là, mon il coupe comme ça, il fait comme ça. Moi, non, on me fait bouillir parce que je me connais Oui, il dessert, elle est bien, et puis d'un coup, on a la gouffe, fais attention. Ah, ah ben ouais. Un vrai bon chez lui, hein. Dans la ville Saint-Gilles, elle l'avait longtemps. Comme l'a dit mon père, hein. C'est trop bon, hein. C'est joli, les zandou, hein. Oh, bon. Ça va, il sent bon. Sent bon? Oui, et puis, point trop de gras, un peu de viande quand même, donc ça va, elle est jolie. Joli, mmh. Hein. Un bon zandou, normalement, c'est comme la politique, ça doit sentir un petit peu, mais pas. Ah bon, voilà. Et quel rapport avec la politique, hein? Explique-moi un petit coup, là. C'est le bien, écoute le coup. Par contre, faut pas m'y croire. Ah, dans ma bouteille, il confirme, aussi, il est bon. Mmh. Il est bon, hein. Il est bon? Ah oui, encore un petit peu salé. On va faire bouillir encore un petit peu, mais sinon... Un petit peu dur aussi. Un peu élastique, hein. Mais le goût, les... On fait attention quand on coupe là. On coupe pas le. Voilà, on a un morceau la corde avec là. Pour tenir le zandou, il ne faut pas couper parce que ça, si on coupe à l'idée. On met un petit filasse blanc dessus. Il n'est pas agréable à manger avec le zandou. Mettre un petit peu le zandou si tu veux pour cuire un petit peu plus parce que là encore un peu dur. Hein? Et puis ben on va rajouter un petit peu de l'eau dedans. Un petit peu de l'eau, mais cuire, allez, encore un petit peu. Parce qu'après, quand nous ça fait cuire là, nous mettre tomate, ils mettent plus de l'eau du tout. Ah donc bon? C'est pour ça il faut que le zandou il aille bien cuit. Mmh. Oui. Et comme c'est la viande porc, il faut y cuire bien bon, quand même. Hein? Et demain, on lave un peu de tête, tout cheveux, toi. Pourquoi? Parce qu'on a vu la fumée des nattes là. Ouais, ça sentir l'odeur de la fumée là demain. Ok, ben sentir un bon l'odeur de la fumée, pas mauvais aussi, que je vous dis François. Un boucané. Ah un oui boucané, un boucané cheveux là. Ah, un café, une boucané. Mais bon, zandou et boucané, regarde la fumée là-dedans. Eh, c'est normal, le soir, la lumière, tu vas y aller. Regarde la fumée, comment je lis le soir. C'est tout, t'as l'air, moi. Ah, il y a un peu de monde là-bas. Fais à moi confiance, la vie, verrai toute la vie. Oh, t'es mon cafouine. Tourne la tête là, tourne la tête là, tourne la tête là. Ouais, ah, bon, non, il faut commander à Zot, faut allez, à nous, nous faisons. Hein, ouais, moi, au lieu de commander, dis, fais ci, fais ça là. Préfère, fais moi-même, moi. Le temps où dit. Allez, allons à lui. Voilà, on va voir comment je fais ça bien. Hein. Il aime ça fait une petite crème de concombre. Oui. Hein? Alors, nous pouvons faire soit avec la crème fraîche ou soit avec du fromage blanc. Ouais, moi, il fait à ma façon, hein. Alors, nous pouvons mettre la crème fraîche, mais moi, je préfère faire avec la crème fraîche. Hein? Donc là, où ça coupe à les petits voilà, morceaux. On coupe le concombre, un petit morceau, vraiment petit morceau. D'accord. Comme ça. Bon, après, il y a des fois, vous connaissez, on est un petit peu pressé. On ne veut pas trop perdre le temps. On dit, bon, pour ne pas perdre le temps, les pratiques. Nous, on a un petit appareil. On triche un petit peu, quoi. Voilà. Ben, pour aller plus vite. Pour accélérer les affaires. Parce que ici, on connaît la réunion. Comment il est, là, on est un peu pressé. Bonne madame, là, quand ils sont au travail, il n'y a rien à manger. Puis, il veut faire une affaire vite fait, là. Elle est facile. On prend ce petit appareil-là. Ben, si on a un autre appareil, votre gaz, il ressemble à ça. Ou il est à peu près pareil. Eh bien, on fait. On prend un concombre, par exemple. On prend un morceau de concombre qu'on a fini en l'air, toutes les grains dedans. On coupe avec comme ça. D'accord. Là, il laisse ça vous fait le premier, comme ça nous va voir. Alors, et l'appareil miracle alors. Voilà, et là, il prend quelques feuilles de menthe. Attends, moi la partie fermée, fallait voilà. Pas fermer tout de suite. Prends pas beaucoup, juste pour rafraîchir un petit peu le concombre. Alors, il casse par petits morceaux comme ça, et puis il rajoute dedans. Pas beaucoup. Et là, voilà. Nous et ferme, nous mettre le couvercle. Voilà, et il laisse ça vous.
coupera la ligne avec le matcha, voilà. Voilà, là nous regardons un petit peu. Alors regardez dans quel état il est. Est-ce que l'huile est bon pour faire la crème? Ben, pour moi, l'huile est bon. Hein? Ok. Cuisine efficace, cuisine rapide. Voilà. Donc, nous prenons l'huile, nous mettons à part. Comme ça. Voilà, il est parti morceau. Avec les feuilles de menthe, avec. Hein? Il sent bon. Il sent bon, hein? Bien, il parfume bien, il rafraîchit aussi. Voilà, là nous allons mettre un petit peu de concombre juste pour essayer, pour voir s'il est bon pour faire le... D'accord. Et là, nous rajoute, nous remettre le couteau, voilà. Puis nous mettre tout maintenant, on peut mettre tout dedans. Alors, n'oublie pas le bon petit feuille. La menthe. Voilà. Nous l'a pas oublié que ça nous a fait là. Hein? Peut-être rappeler. Nous ça prépare l'apéritif. Comment on l'appelle ça? Crème de concombre. Crème fraîche. Crème de concombre au fromage blanc. On peut faire. En tout cas, ce petit appareil là, il est pratique. Hein? Très pratique. Enfin, moderne. Hein? Attention. Allons regarder encore un petit coup. Ah! Bon, là, la poco bien machin, parce que nous la mettons beaucoup dedans. Pas grave. Non, on continue. Presque bon. Voilà, là, nous arrêtons un petit coup, nous tournons un petit peu. Nous retournons aller. Voilà. Ah, mais la maman, il est bon. Hein. Écologique? Bah oui. Cuisine voilà, écologique. Bon. Et voilà le résultat. Okay. Super. Ah oui. Ok. Donc le concombre n'est pas en crème, hein? Il est encore au sang, hein? Il y a encore des petits morceaux dedans. Il faut que quand on mange, on sent quand même encore un petit peu le concombre. Hein? Un peu. Voilà. On met un peu le concombre. On met. Ça peut aller vite là-dedans, mais moi comme il fait la case, là, il fait avec mi-hache avec la main. Mais après, on peut en faire cas, comme ça. Elle est jolie. Voilà. On voit les petites feuilles de menthe dedans, là, vert. Voilà, alors, ça c'est prêt. Il n'est pas compliqué du tout. Là, ensuite, on rajoute la crème. Voilà. Alors, une cuillère. Oui. On peut rajouter encore. Une cuillère. Deux. On rajoute encore. Pas besoin de la peur. Trois. Voilà. Alors, on tourne un petit peu. On mélange à l'huile. Surtout, il ne faut pas oublier. C'est le sel. Ah. Parce que... Il faut qu'il y ait quand même son bon petit goût de sel. Hein? Sel fin. Hein? Voilà. On goûte un petit coup si on a le sel. Alors, il manque encore un petit pincé, encore un petit peu. Voilà. La crème fraîche, c'est bon. La crème fraîche, non, c'est bon. Et puis, je rappelle que nos petits livres, nous faire une surprise, on va voir c'est quoi tout à l'heure. Il est toujours là, il accompagne à nous. Vous autres veux goûter? Non, non. Bon, monsieur, là, ça ne veut pas goûter? Non, attends, t'as rien. Hmm? On va garder le plaisir après. Ah bon? Ben. On sent bien le... un petit peu le goût de la menthe. Voilà. Après, si nous veut épaissir un petit peu plus, on peut aussi, bon, on rajoute encore un peu de crème. Alors. Par exemple, on peut remettre encore une cuillère. Et avec le fromage blanc, il est aussi bon. Voilà. Il est prêt. L'apéritif est prêt. Nous versons l'huile dans le verre. Et ensuite, nous mettons l'huile. Cap.
Là oui, goûte. Maintenant on va voir. Alors, c'est rafraîchissant. Bon, hein, hein, pour un petit apéritif bien frais, ben, c'est ça. Après, nous verrons salut dans les petites poubelles. Voilà. Ça, c'est pour les deux messieurs et filles Manou. Deux, trois petites feuilles de menthe. Allons maintenant le frigidaire. Ok. Au plus vite que 10 minutes. Ben, on peut mettre directement au congélateur, mais là c'est 5 minutes. D'accord, dans 5 minutes, tu manges. Voilà. Par exemple, de mon arrivée, on est pressé, on dit bon, on n'a pas le temps, on laisse à vide dans le frigo, machin, ben on met à vide dans le congélateur, 5-10 minutes. Mmh. Bon, alors, le petit Vérine les prêts de. Alors, c'est quoi, vous te rappelles que ça me l'a fait? Oui, ou la enfin, fait. Nous l'a fait, à moins qu'Aline. Alors, concombre bien malaxé, bien écrasé, oui. Avec de la crème fraîche. Oui. On rajoute un petit peu de sel. C'est ça. Après, la mettre à lui donner frigidaire pendant au moins 10 minutes. Oui. Ça te l'est trop pressé, ils mettent dans le congélateur. Tout à fait. Et voilà le résultat. Alors, petit ben, apéritif bien rafraîchissant. Voilà, avec un petit morceau de pain. Avec pour manger. Et comme le pot pimenté, un piment dans le plat. Un petit piment dedans. Voilà. Oui, ça ben, c'est pour pimenté. Et comme c'est pour Canal Austral aussi, donc aujourd'hui, concombre nous l'a écrit avec un K. Ça fait concombre. Concombre. Comme Canal Austral, quoi. Ben, avec un K. Ben goûte le concombre. Les bons, mais ça va. Goûter. Bien, on est là, viens goûter avec nous. Dis-moi s'il est bon avant. Les bons, alors. Alors, attends. Allez, allez. Jean-Claude, à toi l'honneur. Ah, à nous l'honneur. Hein? Très froid, hein? Oui. Très bon, rafraîchissant. Oui. Super. Sans petit goût de menthe. Ah oui. Aline. La menthe là, a eu le temps de bien faire son petit travail. C'est très bon. Très bien rafraîchissant. Ah ben super alors. Ah ouais, ouais, en effet, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ah oui, moi, direct avec le pain. Et en plus, c'est pas compliqué à faire, hein. C'est facile, hein. C'est facile à faire, hein. Ouais, c'est super bon. Vraiment, puis, en plus. Ben, le soir arrive un. Comment, en plus, là, il fait un petit peu chaud, là. Impeccable, hein. Vraiment, super. Et la crème bon. Que nous a rajouté à l'intérieur, là, est-ce que nous pouvons faire ça avec une crème à 0%? Ben, tout à fait. De matière grasse. Normalement, c'est avec une crème de 0% de matière grasse. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est pas lourd du tout, hein. Oui. Non, non. Nous peut manger ça de temps en temps. Okay. Très bon. Et alors, Niela, comment vous trouvez-vous? Ça va aller réussi. Il est content. C'est bon alors. Vous êtes sûr, hein? Ah oui. Aline, l'a vu maintenant. La prochaine fois. La prochaine fois, il fait très bon. Vraiment bien vu. Donc là, nous peut dire quelques temps plus tard. Oui, alors. Et il bout toujours? Oui. Ben là, il pense que c'est bon, les cuits, là. Ouais, c'est bien cuit. Prenez la zandouille, là. On a un peu l'effet avec la couenne. On a un peu l'effet avec un petit bout de boucané ou bien un petit bout de salé. On a un peu l'effet avec plus bon morceau gras, très gras. Donc c'est la couenne un petit peu plus dure. Mais il est un petit peu réduit, quoi. Donc, on nous laisse encore. Quoi, même pas 5 minutes, le temps que nous finissons la rillette, qui rillette de poulet, ouais. Et puis nous revient, nous fait tout de suite le rougaille zandouille tout de suite après. Et là, pourquoi mettre dessus là un bouchon? Non, ça c'est oui, un bouchon, comme dit les gens du sud. Les gens du sud, ouais. Non, les pas tout le monde, c'est sauvage, hein.
Ouais. Non, on ne va pas dire plus, c'est gigant, ça. Le sud sauvage ou le sud des sauvages? Le sud sauvage, c'est... Le sud réunionnais. Voilà. C'est genre, voilà. Pendant combien appelle couverture, mamie? Bouchon. 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 Attends, bouchon moite. Nous mangeons avec siam, nous. Bouchon nous mange avec siam, oui, effectivement. Allez, nous, ça fait la rillette de poulet. Il est là, cette fois-ci, tout ça monte à nous, comment il fait la rillette de... Poulet, voilà, avec le blanc de poulet. Voilà, là, nous la mettre le blanc de poulet cuire avec un petit peu de sel, oui, un petit peu de poivre. Maintenant, ben, le blanc les cuit, ben, nous prend les comme ça. Eh, pratique. Mais ça pas notre rillette pratique, un petit appareil, mais dis pas le nom comment il appelle parce qu'on va dire moi il fait tout. Nous va dire qu'il est très pratique. Très pratique, voilà. Voilà. Alors. Et l'iné problème avec EDF, l'iné, c'est pas l'iné ça? L'iné gros problème. Il n'y a pas payé une facture, EDF du tout. Il n'y a pas payé facture, donc il est écologique. Ah oui. Alors, nous prenons le blanc de poulet que l'est bien cuit. Regarde, nous coupe comme ça. Là. Là, donc, nous peut faire toutes affaires. C'est ça, les gaillards. Et en peu de temps. Voilà. Voilà. Ne fais pas trop, hein, parce que comme ce soir. Nous mélange à l'île avec un petit peu de. On mélange tout de suite. Alors. Voilà. Nous rajoute. Une gousse d'ail. Une gousse d'ail, d'accord. On enlève le germe alors? Bon, ben, comme on n'a pas beaucoup, mais on enlève. Mais quand on en a un paquet, on n'a pas le temps. Bon, il faut prendre le temps aussi. Hein. Voilà, donc on met une gousse d'ail dedans, comme ça. Ensuite, on prend un petit peu de blanc là. Hein, pas trop le vert, hein, on prend un petit peu de blanc là. On rajoute dedans. Là, ensuite, on rajoute un petit peu de poivre. Voilà. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de muscade. Muscade, les bien moulu, hein, les bien fin. Bon, encore le machin est parti. Mais pas beaucoup, mais juste un tout petit peu. Juste pour voilà. Parfumer. Voilà, juste ça. Ensuite, nous prenons la mayonnaise. Au pif, hein, ils mesurent pas, ils mettent un petit peu comme ça, là. Oui, sûr que c'est la mayonnaise, c'est pas dans le sucre, ça, non? Non, non, c'est la mayonnaise. Ah, d'accord. Ensuite, nous prenons un petit peu de moutarde, pas beaucoup. À peu près comme ça, une cuillère à soupe. Là. Et puis, m'y rajoute juste un tout petit peu assez de sel. N'oublie pas que nous a la mayonnaise avec la moutarde. Donc, nous va goûter après. Et là, nous ferme. Et allez, m'y laisse à où? Le petit travail, on va voir comment les pratiques vite fait. Et là, grâce à ce petit appareil magique, nous mélange tout. Voilà. Et là, nous aura une super petite rillette de poulet. Mais avant, quand les gens avaient point cette machine-là, comment il fait faire la main? Franchement, je m'y connais pas. Comment ça se fait faire, moi? À moi, depuis, il m'a la trop petite machine là. Ben, il fait un paquet d'affaires avec ça. Et les vite fait, les gaillards. Il fait même un rougail tomate, un rougail brinjel. Il est facile à utiliser. C'est ça qui est bien. Voilà. Il ne dira pas de marque, rien du tout. Non, faire, le but, c'est pas faire de la publicité. Le but, c'est de montrer l'efficacité. Ouais. Voilà. Quand il y a une affaire, les bons. De l'appareil. Voilà. Alors, voilà, nous allons voir un petit coup dans quel état il est. La spécialiste. On regarde si le blanc de poulet il est bien coupé par morceaux. Bon, là, non, encore un petit peu de morceaux. Il faudra encore. On nous tourne, allez, encore un peu. Voilà. Là. Écoutez! Elle est trop vite. Le moteur est puissant là. Bon, là, il pense que il a bien mélangé. Ah, vous connaissez que ça fait penser à moi là, comme il prend mon bateau, ça fait péter mon moteur à bateau, moi, aller en mer. Ah non, là, c'est pas la même chose. Vous avez vu hein? Alors, Daniel, elle est revenue. Juste pour finir, nous va mettre, juste pour faire plaisir à la bouche, hein, un petit filet là, comme ça, d'huile d'olive. Et un dernier petit coup de... Voilà. De manivelle. Ou bien de l'huile de coudre. Pour faire démarrer le moteur. Voilà. De Jean-Claude pour la pêche. Et c'est plus souple, non, avec de l'huile d'olive, hein?
Ah ben. Ouais. Et à mon avis, cette fois-ci, bon, là, le résultat, le voilà. Ah ben, elle est super. Voilà, notre tirillette est prête. Et là, ben, nous peut servir ça en entrée, en apéritif. Faut de mon arrive votre case, vite fait. Nous peut servir avec du pain. Voilà, là, il rajoute un petit peu plus de oignon vert. Mis tout en avis. Une petite recette facile à réaliser. Facile. Qui peut faire en famille. Ouais. Avec maman, avec le papa. Ouais. Hein, bonne rillette en boîte qui vend là, doit aller faire ça comme ça même, mais industriellement, en grande quantité. Mais là, les fait manuellement, avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour. Ah oui, queue de poulet ou queue de poulet, voilà. Même, ou mélange de trucs, même. En plus, si vous faites de mayonnaise, vous faites avec, les encore meilleur. Mais bon, on n'a pas le temps, mais ça prend. Hein. Bon appétit. Donc, au départ, c'est du blanc de poulet qui est bouilli avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Et après, tout ça, on mixe. Et on rajoute à l'intérieur de la mayonnaise, de la moutarde, un petit peu de sel. Une petite pincée de sel, un petit filet d'huile à la fin. Un petit morceau de l'ail. Ah, moi, m'a rajouté un petit peu de muscade. Muscade, pas beaucoup. Le goût. Voilà. Et puis, pour finir, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et là, ben, bien sûr, nous tartines à l'ail. Et ça veut dire, moi, c'est bon. Allons faire goûter. Allez, c'est Aline qui goûte. Allez, vas-y, Aline. Vous goûtez. Je dirais, c'est excellent. Merci, Canal Austral. Ok, et Piment TV. Alors, merci, Canal Austral. Et Piment TV. Bon appétit. Alors là, il vide un petit peu de rhum dedans. Rhum La Réunion ? Ben oui, rhum La Réunion. Déglacé un petit peu de rhum ? Voilà. Ouais. Donc on va mettre rien. Et là, on va tout de suite mettre mon oignon. Ben là, il n'y a rien dedans là. On n'a que le rhum là, on va déglacer tout de suite comme ça. Hein. Voilà. Et là, on fait aller comme un rougail classique. Oignon, gingembre, l'ail, sel, poivre. Là, il croûte bien, là. Voilà, je vais mettre tout de suite dans le pisse. Et d'un rougail vendu, il ne met pas sa foin. Ben, Nanmouni met, Nanmouni met pas. Ouais. Mm. Parce qu'il faut dire un petit peu plus rouge que jaune. Hein. Mm-hmm. Et donc, la couleur rouge est donnée par la tomate. Ouais. Et moi, il ne m'y mettra pas ce soir. Ouais. D'habitude, quand il fait, il met un peu. Du rougail, il ne met pas. Non, non, il fait, il met. Ouais. J'aime bien, justement, le petit goût safran. François, Aline, ils mettent safran dedans, ils ne mettent pas. Soit. Il fait l'assassin, il ne fait pas. Ils ne mettent pas safran dans le benroom. Ils ne mettent pas safran, ils ne font pas l'assassin à soi. Ils ne font pas l'assassin. C'est bon, alors, d'accord. Ok. Eh, hey, d'autres codes, ben, mon room là, je me dis, moi, pas si je suis mon room, moi, je suis pas de mon room. C'est bon, elle connaît comment mon moment est fait pour grand mon room. Ah. Elle connaît que Brad Mouroum, il appelle ça aussi Brad Médaille. Brad Médaille. Hein? Et donc, les bons Brad Mouroum, le problème, c'est que pour Triali. Ils mettent la tomate. Ah, ok. Pour Triali, un petit peu ennuyant. Et ben, il laisse le Brad Mouroum un jour ou deux jours, il met dans un sachet plastique, et il secoue le sachet plastique. Et après, il a son vrai mouroum, toutes les médailles d'un côté, tout le bon petit morceau de bois de l'autre côté. Il graine. Ah. Mais là, mes plats sur à eau, le petit carré, il est trop joli. La micro-valie a fait doux, nous laisse aller cuire, tomate bien cuite dedans, et après, nous regarder un instant. C'est bon. Ça sent bon. Ça promet, hein, on va bien manger. Ouais, mais là, on n'a pas fait un peu plus l'assassin. Là. On mange des rillettes à l'entrée, des petits trucs au concombre, à la crème fraîche. Non. Et là, après, nous mange un rougail zandouille. Pas du tout. Là, on est au cœur de la culture gastronomique réunionnaise. À l'apéritif, nous avons eu droit au concombre avec de la crème fraîche. Nous avons eu droit également à
rillettes de poulet. Et pour terminer, un bon curry créole, curry zandouille. Qui dit mieux? C'est ça la réunion. Il ne veut même pas de mon aulo d'essayer que je ne sais manger. Ah, surprise! Surprise! Ah, bon. Surprise! Laisse un petit place pour dessert, par contre. Oui. Mais bon, alors. Et elle a dit manger, bouger. Après, il faut bouger un peu parce qu'il mange, il mange. Bah, les mots de cheval. Bah, il bouge, il mange de vélo. Bah, il bouge, il mange de vélo. Ah, non, non. Il n'a pas le temps, mon vélo. Ça met un petit gros piment dedans. Ben, il y en a un même. Hein, alors, en français, ils appellent ça comment, Aline? Un pléonasme? Un petit gros piment? Un petit gros piment, ils appellent ça pléonasme. Mais nous, à La Réunion, nous l'habituons de tout, de dire tout ça fait les petits. Petit chemin, petit piment, petit chanson. Ça, c'est un bâtiment. Oui, il y a pas. C'est un avocat à la tombe sur le toit. Un petit avocat à la tombe sur la toile. Voilà, voilà. Donc, nous, ça va mettre le petit piment dans le curry. Faut couper en deux, non? Coupe-les. Alors, coupe-les. Et bon, voilà. Alors, nous coupons le piment dedans. Et coupe en direct, comme ça, alors. Coupe-les en direct. La fin est là, mais on est dedans. Et le dernier. Voilà. Okay. Ça, elle est bon. Nous, on lève et il se fait maintenant. Ben, elle est bonne, elle est cuite, alors. Elle est cuite, là, parce que déjà, le zandou, il est bien cuit. Uh-huh. En plus, comme là, prend un petit peu de croûte, là, donc, là, du coup, nous, la écrase un petit peu. Mais bon, comme c'est la viande porc, vaut mieux les bien cuits. Et avec le projecteur, là, hier, là, hein, vous tenez là, une silhouette. Ah, ah, elle est bien, l'image est bien, j'aime bien. Elle est très artistique. Ah, silhouette, oui. Cuisinière. Et si ça va plus en face, ça va encore plus fort. Tu me sens en face comme ça, les plis forts. Ah oui. Bon. Ah, ah, là, on voit des ombres. C'est pas mal. Il est bien avec la fumée devant. Hein. Super. Bon, allez. Toute bonne chose à une fin. Notre bonne qualité d'image. Est-ce que nous l'avons mis le riz au feu? Non. Aïe. Dans tout ça, nous l'oublions de mettre le riz au feu. Ah, non, c'était trop français au départ, c'est pour ça. Il a voulu faire trop français. De pas laver, mais le riz l'oublié. Là, nous allons mettre notre riz au feu. Allez. Bon, allez, allez, allons. Hey, c'est quoi tous ces piments là alors? Ok, ils ont douille avec des trois piments en paix autour. Hey, c'est pas parce que nous piment TV que la garni de piments là-dessus. Aussi. Ah, ah ben, aussi. Nous met en valeur piment TV. Ah ben oui, là, mettre en valeur, la mettre en valeur là, parce qu'elle est de la piment là. Rouga, ils ont douille au piment. Voilà. Et allez, surtout bon. Ici, La Réunion, on connaît comment il est. Hein? Et dur manger curry sans piment. Ouais. Alors. Bon, ben, bon appétit tout le monde, alors. Ben, merci. Mmh. Donc là, c'est rien que de riz avec rouga et zandouille. Ben. Avec tout ça, on a fini de manger avant, Aline. Ah, oui. Pas besoin de grain, pas besoin de rien. On mange bien ça comme manger ça. Avant. Ouais. Ok. François, a aussi, vous avez bien apprécié ce curry là ou là? Ah, on a comme l'impression. Hein. Ah. Vraiment, mais regarde, Alila, il est... juste bon pour moi. Ben, faut voir s'il est bon parce que. Juste bon pour moi. Regarde une affaire comme ça, là, il connaît pas s'il est bon, il dit le goût, il compte. Hein. Ben, la couleur, il peut dire. Ouais, parce que bon, il n'est pas trop rouge, il n'est pas trop machin, mais bon, après, c'est le goût. Eh ben, écoute. On y va alors. Alors, vous, un petit coucou, bravo à Piment TV et Canal Austral. Curry zandouille, cuisiné par Niela. Ok. Et Aline. Son nom de demain, là. Eh, là, il y a une petite Bible. Bible. Ben, un petit livre, pareil, un petit Bible, hein? Ouais. Devinette. Ah, alors, c'est un livre de devinette. Ben, il fait rire. Ouais. Alors, on peut poser un petit devinette? Allez, vas-y, pense à nous. On va voir si Banaï connaît. Allez, envoyez. Alors, le premier, c'est la pomme d'Alon, les frisés. La pomme d'Alon, les frisés. Frisés? M'image d'ici pour dresser. Ôté. Ah, pas bon ça. On dit à vilaine affaire, là. Non? Les biens, les gaillards jusqu'à la pomme d'Alon, les frisés, m'image d'ici pour dresser. Bon, maintenant, si on veut me dire en français, par exemple, il peut dire en français, la peau de mon ami est ridée. Je marche dessus pour redresser. Comme ça, il est. Comme ça, ça, il est. C'est quoi? Mais ne connais pas. Connais pas? Non. La peau d'Alon, il faut garder. La peau d'un copain. Et la peau, mon dallon, les frisés. Un dallon français, c'est copain. Hein? Mon ami, un copain, un ami. Ouais. Hein?
que, bon, en créole, nous dit friser, mais en français, nous dit les maillets. Ridés. Les ridés. Les ridés. Hein? La peau mandalon, les frisés, mais marche dessus pour le redresser. Maintenant, mais dit aux autres, c'est une autre manière. Ça, on donne aux autres la réponse, mais si aux autres, ça trouve. Alors, on va y aller. Hein? Alors, si par exemple, mais dit à vous que, ben, les frisés, faut marche dessus pour quoi? Pour dresser. Ben alors, que ça n'utilise notre case. Moquette. Carreau. Ben oui. Faire à repasser, carreau. D'accord. Ben là, il faut mettre ça pas en mode à l'eau, la peau mode à... Parce que où sera si un mono, ça dit, la peau mode à l'eau, les frisés, que ça, ça il est. Mais c'est pas, il parle pas de la personne. Mais, non, ouais. Nous signale que carreau, il veut pas dire la même chose en français. Carreau, il met oui. Sur le sol. Nous, c'est carreau. Faire à repasser. Faire à repasser. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. On a une note comme ça, là. Alors, une note. La glace, les papous de moun. La glace, les papous de moun. Les poux, le ciel. Qu'est-ce que tu racontes à moi, ou là? La glace, c'est la glace, la papou de moun. Les poux, le ciel. En français, un miroir, non pour les gens, mais pour le ciel. Un miroir, les pas pour les gens, mais pour le ciel. Mm. Les étoiles? Mais non. Que ça y reflète. L'ombre? De l'eau? La mer? Voilà. Voilà. Ah. Hein? Un bassin. Bon. Ah, c'est là que nous voit la magie, la richesse de notre langue créole. Et comme il y a entend un peu de monde, il y a peine notre langue créole, ça n'est pas toi. Il dit à Zot, non. Notre langue, là, ça, c'est une richesse. La preuve? Ouais. Allons partager ça. Allons faire connaître Gaïa, ça. Ça. Les Gaïa, ça. Les Gaïa. Moi, de toute façon, j'aime bien cause mon créole. Il y a des fois, de monde ne comprend pas trop. Il dit, si il est malgasse. Il dit, non, si il est mahoraise. Il dit, non. Non, il est tout simplement, n'y est là. N'y est là. Et puis, n'y est là, voilà. Il aime cause au créole. Mais il est un peu en français. Pas trop, trop français. Mais j'aime bien cause mon créole. Ça langage ou de zombril, ça, non? Ça, même. Et m'y garde. Préserve-les. M'y préserve-les, m'y garde. Et surtout, n'a pas honte. Non, mais n'a pas honte. Ok, ben, les gars, il y a le petit bib, hein? Ah là, le petit bib, que nous montrer hein? Depuis voilà. Tout à l'heure. Allez, super, là. Hein? Que un pas petit... combien il coûte, mais il est intéressant avoir une petite affaire comme ça. Un en petit... plus, regarde, le petit pochette, il y en a deux. Un petit clin d'œil à l'édition Surya, et surtout à notre camarade Darpatia, qui est dans l'ombre. Qui ne se fait pas voir, mais qui est quelqu'un qui, à sa façon, valorise beaucoup la culture réunionnaise et surtout travaille beaucoup sur la publication de plusieurs livres liés à l'histoire de la Réunion. Salut à toi, Monsieur Firmin Larpatia.